nous avons reçu quelques messages de nos invités d'honneur, dont Jean Renard, auteur-compositeur qui a par exemple composé pour Johnny Hallyday, qui est également le parrain du Festival des Cultures et des Langues, ainsi que Madame la députée Madame Obono, qui est fidèle au festival depuis déjà 2 ans, et enfin l'auteur-compositeur Kéredine Soltani, qui également nous soutient depuis pas mal d'années. Écoutons leur message. Bonjour à tous et à toutes, je suis Danielle Obono, députée de Paris. Je suis très heureuse de participer à cette 9e édition du Festival des Cultures et des Langues. L'année dernière, j'avais eu la très grande chance de pouvoir assister physiquement au spectacle donné par l'association et tous les artistes qui ont fait preuve d'un talent, d'une ingéniosité, d'une créativité proprement admirable. Et je ne doute pas que cette année également, tous et toutes auront donné le meilleur d'elles et d'eux-mêmes pour offrir un spectacle encore plus magnifique. Je tiens donc à les féliciter, à vous féliciter pour le travail que vous avez fourni tout au long de l'année pour produire ce spectacle et à vous encourager à continuer dans cette voie dans toutes les entreprises que vous pourrez mettre en œuvre aujourd'hui et demain, que ce soit au terme artistique ou dans tous les autres domaines possibles. Merci encore pour le moment de divertissement et d'émerveillement que vous avez créé et j'espère voir l'année prochaine physiquement et de pouvoir assister à nouveau à ce spectacle. Merci, bravo et à bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous faire un petit message en fait pour vous soutenir, en tout cas soutenir les chanteurs tout comme moi et en plein de rêve, pour faire de la musique, pour faire des beaux projets. Voilà, et surtout pour le Festival des Cultures et des Langues qui va cette année pour la 9e édition être virtuelle. Du coup, je voulais soutenir tous les enfants en fait des quatre coins de l'Europe et du monde qui vont participer à cette édition. En tout cas, moi, je serai là pour vous regarder et j'espère, comme chaque année, qu'il y aura des grands, grands, grands talents. À bientôt. Je voudrais vous dire à quel point je suis enthousiaste de pouvoir participer, même de très, très loin, au Festival des Langues et de Cultures, parce que c'est tellement évident que ce qu'on vient de vivre nous démontre une fois de plus que vivre ensemble, c'est la seule solution qui détermine bon, la suite, l'avenir, le bonheur, etc. Et forcément, avec tout ce que ça comporte, la musique, l'amour, l'espoir, l'avenir, etc. Alors, je voudrais dire un grand bonjour à tous les amis que vous représentez et leur dire combien on les aime et combien on attend bientôt de pouvoir les rencontrer de nouveau. Voilà. Alors gros bisous et à bientôt.